Salut, salut, c'est Joël Epicastor, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, après le coffret Pikachu X des 20 ans, nous voici avec le Pikachu, non, Florizarre X. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, même configuration avec la même carte Florizarre X en mini et la Florizarre X en jumbo derrière. Donc, j'avais fait ce coffret déjà en version anglaise parce qu'il est sorti bien avant la version française. Mais du coup, je vais me la faire quand même en français, hein, s'il n'y a pas de raison. Les coffrets français en général, j'aime bien les faire. On va pas s'éterniser. Le format est exactement le même que les trois autres, à savoir Tortank, Dracaufeu et Pikachu. Donc 4 boosters génération, une carte jumbo à l'effigie du Pokémon Star de ce coffret. Donc là, c'est Florizarre X. Et bien sûr, la toute petite aussi avec Florizarre X. Donc voilà. Allez, on y va. On se fait cette ouverture. Hop. On peut dire qu'on a été vraiment gâtés cette année au niveau des sorties, parce que vraiment, j'avoue qu'à cette fin d'année là, on ne sait plus trop où donner de la tête entre tous les coffrets de Noël et tout. Tous les trucs sympas qui sortent, les coffrets anglais, les coffrets français, les trucs japonais. On peut dire qu'ils font vraiment. Ils ont fait les choses bien comme il faut pour les 20 ans. C'est tant mieux d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas 20 ans tous les jours. Allez donc, magnifique Florizarre. Vraiment, les 4 full art de ces coffrets sont vraiment tip top. On les retrouve dans la série CP6, la série anniversaire donc japonaise. Allez, top. Top. Allez, protection. Celle-ci, vous la retrouverez bien sûr sur mon site picastore.fr. Et bien, elle veut pas rentrer. Allez, hop. La Jumbo, qui est aussi belle que la petite, voire plus belle même. Il y a toujours des bas, il y en a qui n'aiment pas trop les Jumbo, moi j'aime mieux. Ça permet de voir vraiment tous les petits détails, des cartes et tout, c'est vraiment, vraiment tip-top. Donc là, nous avons un insécateur. Et l'autre là-haut, je ne sais pas ce que c'est ça. Allez, on continue. Vous voyez que je suis toujours aussi fort pour reconnaître les Pokémon. Même si j'ai fait quand même pas mal de progrès grâce à Pokémon Go. Allez, on va mettre là celle-ci avec la mini ici. Allez, mais on va finir par Pikachu comme tout à l'heure. On va commencer le même ordre que tout à l'heure. Voilà, hop, c'est parti. C'est pour le coffret Pikachu, pardon. J'ai fait les vidéos en même temps. Du coup, allez, Ponyta, Magikarp. Énergie plante, Topiqueur, Astera en mode reverse, Cup Canaï de la Radiant Collection, Galopa, Psytigri, Persian et Pokéball. Allez, on enchaîne avec le booster Tortank. Allez, Ramolos, Machoke, Paras, Énergie Feu, Ponyta Reverse. Timmy, Ronflex, un rare. Hop. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe, j'ai pas vu de rare sur l'autre. Stalgamin, Lem et Gravalanche. Pas vu de rare sur l'autre booster. Mais si, Galopa. Enfin, voyons. Voilà, Galopa en rare. Hop. Allez. On continue. Le booster Florizarre, donc. Le Pokémon phare de ce coffret. Hop. Tac, tac. Rattaillou, sac de nœuds, Magikarp, énergie, métal. Petit carton rouge reverse. Un petit Jirachi. Radiant Collection, Triopiqueur, Kubutoke. Triopiqueur, hein, qui est la rare. J'ai rien compris à ce système. Kubutoke, donc Radiant Collection, Dame du Centre Pokémon et Evolus Soda. Et allez, on finit le dernier booster de ces coffrets 20 ans. A priori, je n'en ouvrirai plus. Quoique, il y a encore des duopacks qui doivent arriver. Avec le mystère Melota, qui, a priori, on n'a pas de news sur le duopack Melota. Est-ce qu'il ne va pas sortir dans un coffret exclusif encore? Enfin, je ne sais rien. Paras, Pikachu, Énergie Fée, Nosferati, Ronflex, en rare Reverse,
Ah ben oui, derrière, le mec qui spoile pas. Je vais ranger la ronflex. Bon, mais allez, je vais miser sur un petit pierroulis derrière. Hein, et voilà, allez. N'importe quoi, désolé. Hein. Désolé. Mais c'est cet ordre de carte aussi, pourquoi ils ont changé. Ah ben, derrière le pierroulis, on a un fenard ex. Derrière le pierroulis ex. Mais deux ex dans le même booster, donc voilà, le mec il a même pas fait attention. Double spoil, donc spoil après le Ronflex, Pyroli, et spoil avec le Fenard, avec Pyroli aussi, c'est magnifique, double spoil. J'ai la palme, c'est magnifique. Allez, on les protège quand même. Désolé, je suis un petit peu enroué aussi. C'est vrai, ce changement de temps aussi, on passe de 45 degrés à 18 degrés. Fenard, magnifique, mais je l'ai chopé il n'y a pas longtemps, la Fenard d'ailleurs aussi, dans un autre coffret. Tip top. J'ai bien Fenard. J'ai eu du mal à l'avoir dans Pokémon Go aussi. Hop, hop, hop. Allez, bon, mais pour finir, là, on va bâcler le truc. Hein. Voilà, hop. Flabébé, fan club Pokémon et Gravalanche. Bon, mais écoutez, ben, ce coffret n'est pas si mal malgré tout. Bon, allez, on va dire qu'il y a deux ex. C'est pas mal quand même, deux ex et trois en comptant la Florizarre. Allez, donc Pyroli, donc Fenard dans le même booster. Florizarre, magnifique carte pour les 20 ans. La Jumbo et quelques petites rares, bien sûr. Ronflex, Trio Picker, Galopa et double Ronflex. Donc, un reverse et un normal. Voilà, bah écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Jetez un petit coup d'œil aussi sur mon site picastore.fr où vous retrouverez toutes ces cartes à la vente, à l'unité, à des prix tout à fait raisonnables. Et visitez mon Facebook aussi, vous trouverez des petites news. Et n'hésitez pas à revenir voir encore toutes les vidéos. Il me faut des vues, il me faut des vues. Non, je fais ça pour le plaisir, il n'y a pas vraiment de conséquences derrière. Voilà. Bon, allez, je vous dis merci et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Bye!